son que t'as choisi, non? Regarde, je suis micro K6, ouais. Merde, je t'avais bien dit que ce serait pas facile. Non, ça va, tout se passe bien. Tout se passe bien. Bon, c'est sûr. Et maintenant, nous allons voir la chaîne technologique. Ouais, et puis, je me demande bien quand est-ce qu'on fera un live. Hein. Tu croyais pas que t'allais rester dans ta chambre toute ta vie à écouter de la musique? Max, t'es un abruti. Putain, faut que tu te réveilles, Max, hein. Allez, Max, bouge. Bouge. Pas de geste inutile, tout se passera bien. Tu me conduis là-bas, sinon je te bute. Où sont les coffres? Mais il n'y a pas de coffre ici. Tu me prends pour un cab? Dans une banque, il y a toujours un coffre. Mais c'est plus une banque ici, depuis longtemps. À part la machine à café, il n'y a plus d'argent. L'option 5 que tu as choisi. Le bot, le protassis. Ouais. Merde, je t'avais bien dit que ce serait pas facile. Non, ça va, tout se passe bien. Tout se passe bien. Bon, c'est sûr. Et maintenant, nous allons voir la chaîne technologique. Ouais, et puis, je me demande bien quand est-ce qu'on fera un live. Hein. Qu'est-ce que tu croyais? T'allais pas rester dans ta chambre toute ta vie à écouter de la musique? Max, t'es un abruti. Putain, faut que tu te réveilles, Max, hein. Allez, Max, bouge. Bouge.
Salut Pierre. Salut Paul. Bien matinal aujourd'hui. Bah oui. Bah tu sais ce qu'on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les cours du module S1 reprise mercredi. Oh le con. Maurice, enfoiré! Maurice! Maurice, un café! Putain, il va lui arriver quelque chose à celui-là, hein, c'est pas possible. Ah, du café, bien sûr, du café. Vraiment qu'il arrête de me parler comme ça. Ça peut pas continuer. Il va me le payer s'il continue. Vraiment, il va me le payer. Du café, mais oui, du café. Si je lui faisais une petite crasse, il le mériterait bien. Jack en arrêt maladie, ça serait des vacances pour tout le monde. Des vacances, on en mérite bien. Ouais, bah c'est pas trop tôt là. Hein. Allez, c'est bon, si tu te casses là maintenant, c'est bon, je t'ai assez vu. Allez, hop, tu dégages. On va pas s'en sortir là. Hein. Ah, là, là, là. Ouais, c'est qui? Zlatan, on va au ciné, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Ouais. Attends deux secondes, j'arrive. Ok. Putain, c'est pas gagné. Ouais, ça marche toujours pour tantôt, alors. Bon, bah, ok, ça marche. À toutes. Ouais, c'est qui?
Ouais. Ouais, salut. Ouais, bof, ben, tu sais, j'ai un pote là qui est passé hier soir à l'improviste et on a fait la brinque toute la nuit et là, je suis KO quoi. J'ai mal aux cheveux, enfin, la totale. Et le pire, c'est que ben, j'ai un examen après, alors t'imagines quoi. Ouais. Bah écoute, je te laisse hein, parce que il va falloir que j'y aille quoi. Hein. Allez, ciao. Oula, t'as des petits yeux toi ce matin. Ouais, Ouais, t'as passé la nuit à bosser? ouais, si on veut. Bah en tout cas pour les examens, je sais pas si t'es au courant, mais y a un souci, pas sûr que tu le passes, hein. Enfin je Ah sais ouais. pas. Ouais, va voir, écoute, tu peux pas t'en dire plus. Ah ouais, cool. Yes! Située sur les hauteurs de la ville du Puy-en-Velay, la résidence Roche-Arnaud, association loi 1901, propose des chambres individuelles entièrement équipées de 13 à 23 mètres carrés aux étudiants et aux jeunes travailleurs. Madame Froment, responsable de la résidence, nous présente son établissement. Les différents types de logements, on a des T1 et des T1 bis. Les T1 sont des logements qui font à peu près 12 mètres carrés, dans lesquels le jeune qui rentre peut faire en toute autonomie, il peut dormir, faire à manger, puisqu'il y a des plaques chauffantes, il y a un frigidaire, des placards, une armoire, un lit, un bureau, une douche et un lavabo. Nous avons aussi des T1 bis, donc ces logements sont un petit peu plus grands, ils font à peu près 15-16 mètres carrés. Il y a les mêmes choses que dans le premier, mais en plus, il y a une salle de bain un peu indépendante avec les toilettes. Cette résidence propose des espaces à vivre comme une salle de jeu avec billard, baby-foot, ping-pong, une salle de télévision, une salle informatique avec accès Internet et une salle de musculation. On y trouve aussi des services adaptés et pratiques comme des activités sportives, d'une laverie automatique et d'un garage pour les deux roues. Les conditions d'admission, c'est l'âge, donc d'accord, hein, entre donc soit 16 pour les apprentis, soit 18-30 ans. Il faut être donc ou étudiant ou jeune travailleur, et ils peuvent avoir des aides qui c'est l'APL. La résidence Jeune 43 a la volonté de rendre service pour celles et ceux qui débutent dans la vie active, recherchent un emploi ou sont en formation professionnelle. La bibliothèque municipale du Puy a longtemps partagé ses locaux avec un marché aux grains et aux bestiaux. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'elle occupe entièrement ce bâtiment, datant de 1897 et situé au beau milieu du centre-ville. Divisée en 3 espaces distincts, elle propose un large éventail d'ouvrages. Le rez-de-chaussée est l'endroit le plus connu de la bibliothèque. On y trouve toutes sortes de livres, allant du roman à la BD. Il dispose en plus d'un coin presse, d'un espace de lecture et d'une recherche informatisée d'ouvrages. L'étage supérieur est lui consacré entièrement à la jeunesse. Madame Choran, responsable de cet espace, va nous en dire quelques mots. Donc cet étage est destiné aux jeunes de 1 an, même de 1 an à l'âge adolescent. On trouve toutes sortes d'ouvrages, des albums, des documentaires, des contes, des bandes dessinées. Voilà, donc à la fois pour lire et pour travailler si on a envie. C'est des animations généralement pour les plus jeunes, donc toujours liées aux livres, soit des animations qui sont faites par des professionnels de l'animation, soit par le personnel de la bibliothèque. Dans un magnifique décor, les curieux pourront ensuite consulter les trésors qui constituent le fonds historique situé au dernier étage. Le fonds d'archives est très intéressant. Là, en ce moment, je suis en Master 1 d'histoire et je viens ici pour faire mes recherches. Et c'est vrai que dans le fond Cortiel, il y a des livres sur les confréries de dévotion qui m'intéressent plus particulièrement. La bibliothèque municipale du Puy est ouverte toute l'année. Son équipe vous accueillera à livre ouvert, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Bibliothèque
Bienvenue à Beaulieu, petite bourgade de Lamblavaise en Haute-Loire, où je suis venu vous faire découvrir un atelier art plastique animé par Myriam Marien. Ça vous intéresse? Alors on y va. Bonjour Myriam, alors est-ce que tu peux me dire comment t'es venue l'idée de créer ces ateliers art plastiques? Ben, tout simplement, au départ, de ma passion première qui était la peinture, le dessin, de ma formation du départ. Je voulais apporter mon propre enseignement aux enfants, donc voilà pourquoi j'ai créé cette association, parce que sur le coin, il n'y avait absolument rien au départ. Est-ce que tu peux m'expliquer là ce que sont en train de faire les enfants derrière nous? Alors ça fait 2 semaines qu'on travaille sur un artiste. On travaille à peu près 2 artistes par an, donc cette année on a travaillé sur Fernand Léger et cette fois c'est sur Paul Klee. Donc voilà, ils sont en train de faire un tableau à la manière d'eux. Moi, le premier jour que je suis venue, j'ai appris à faire de la poterie et après on a fait de la peinture et du dessin. Si vous êtes intéressé par ces ateliers art plastiques, je vous invite à découvrir le temps d'une expo au cœur de Chastel qui aura lieu les 22, 23 et 24 juin prochains lors des journées du patrimoine. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les questions environnementales préoccupent de plus en plus les Français. Un secteur profite à plein de cette tendance, la vente de produits biologiques. Sur le bassin Velave, la biocoopérative installée à Aiguille fut précurseur dans ce domaine. Que c'est toujours un risque de monter un magasin. Après, on sentait quand même que la bio allait démarrer et que les gens se posaient des questions sur ce qu'ils mangeaient ou comment ça fonctionnait. Donc voilà, c'est quand même un risque financier, oui, c'est sûr. Je pense que c'est une façon différente de vivre, en fait. La bio. C'est pas forcément une cuisine différente, c'est une alimentation, des produits qu'on achète qui sont différents. Voilà. Les Français sont très préoccupés par leur alimentation, cela explique la montée en puissance des aliments bio. Ils sont désormais 47% à en consommer régulièrement, ils n'étaient que 7% il y a 5 ans. Il n'y a pas de miracle avec l'usage des produits bio, mais au moins si on peut éviter de prendre un minimum d'additifs que je qualifierais de saloperie en tout genre, pourquoi ne pas le faire quand on peut le faire? J'ai essayé quand j'avais mes enfants petits et c'est vrai que maintenant qu'on est tous les deux, on mange pratiquement que bio. L'attrait des consommateurs pour l'agriculture biologique ne fait sûrement que commencer, tant elle apporte une réponse satisfaisante aux inquiétudes actuelles concernant la sécurité alimentaire.